manchette aujourd'hui, la ville de Saguenay débourse 300 000 $ pour contrer les nids de poules et des professionnels des ballets jazz de Montréal de passage dans la région pour offrir des ateliers. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre web journal du mercredi 13 mars 2013. L'opération colmatage des nids de poules est débutée à Saguenay. La ville a d'ailleurs réservé près de 300 000 $ afin d'être bien équipée pour affronter la période de dégel. Un reportage de Catherine Morancy. Chaque année, le même scénario se répète. À l'arrivée du printemps, le dégel laisse les routes en piteux état. D'immenses cratères se forment sur la chaussée et c'est les automobilistes qui en payent le prix. Là, le printemps arrive, on a une fréquence là, de peut-être un véhicule par deux jours qui a un impact sur un nid de poule. Le bord joint, qui est quand même facilement affecté par un nid de poule. Le bearing de roue qui permet à la roue de tourner. L'amortisseur en haut ici, s'il y a une faiblesse, ça va impacter directement, là, ça va augmenter la facture. Puis la table de roue, si là, est déjà affectée ou un bon nid de poule, ça peut affecter la table de roue également. Un bris causé par un nid de poule peut coûter entre 100 et 500 $ en frais de réparation. Mais la ville de Saguenay compte limiter les dégâts cette année avec l'acquisition d'un nouvel outil. On a acheté une nouvelle machine, un récureur d'asphalte, qui nous permet de faire de l'asphalte chaude toute l'année, même l'hiver. On va tellement sauver de voyages, puis de... Tiens, comme tout à l'heure, je vous disais, pour aller sur Talbot, réparer un nid de poule, on y va une fois, c'est fini. Après ça, il fallait peut-être y aller quelques fois par jour pour le même nid de poule. Depuis deux semaines, les équipes de l'opération Nid de poule s'affairent d'ailleurs à colmater les nombreux trous signalés par les citoyens. Ils en font même la nuit également, là. Le jour et la nuit, ça n'arrête pas. On fait dans 24 heures. Normalement, on essaie la journée même, tout dépendamment de la chaîne horaire ou non le téléphone qu'on reçoit. Mais normalement, le lendemain, 24 heures après, c'est fait. La ville effectue entre 600 et 700 interventions au cours de l'année. Et selon le copropriétaire du garage Box 1873, un entretien préventif permet de limiter grandement les dégâts causés par les crevasses. Les conducteurs qui ont repéré des nids de poules peuvent contacter le service des travaux publics de Saguenay afin que la chaussée soit réparée dans les plus brefs délais. Catherine Morancy, ATM Nouvelles, Saguenay. Un accident entre un autobus de la STS et un véhicule utilitaire sport est survenu à 7 heures ce matin près de la base militaire de Bagotville. Il n'y a eu aucun blessé grave à l'exception de la conductrice du véhicule qui a subi un choc nerveux et qui a été transportée à l'hôpital. Cet incident a ralenti la circulation pendant plusieurs minutes. Le Forum de développement nordique se tient jusqu'à demain à Alma. La formation d'aujourd'hui était destinée aux gens d'affaires de la région. Et Anne-Julie Larouche, en quoi cette formation est utile pour les entrepreneurs d'ici? La formation « Comment faire des affaires dans le Nord français », qui est une initiative du ministère des Finances et de l'Économie, sert à outiller les différents entrepreneurs de la région qui désirent installer des plans d'affaires dans le Nord. La première édition du Forum de développement nordique se tenait aujourd'hui. Il permettra aux entreprises, aux entrepreneurs et aux donneurs d'ordre qui sont intéressés par le développement nordique de faire le point sur les projets en cours. Donc, c'est une opportunité pour les gens de la région de venir rencontrer des donneurs d'ordre qui vont nous parler de leurs besoins, qui vont nous parler de leurs projets, mais qui vont venir effectivement échanger puis venir chercher l'expertise de nos entreprises. Donc, c'est une opportunité d'affaires pour tout le monde. Sous le thème « Soyons des acteurs de premier plan au développement du Nord », les gens d'affaires souhaitent créer des contacts qui leur permettront de s'établir dans le Nord. On a des entreprises qui ont beaucoup de vouloir, mais qui vont avoir besoin d'un coup de main. Donc, le coup de main, ça va être que les gens... Les responsables du plan Nord nous laissent au moins une chance de prendre notre place et justement qu'ils soient, je dirais, un petit peu plus indulgents vers les petites entreprises comme nous autres, on est là présentement. Instauré par l'Association des centres locaux de développement, le Forum considère qu'il y a assez d'emplois disponibles dans le Grand Nord pour les Saguenayens. Les travaux dans le Nord, c'est très diversifié comme exigence, comme besoin au niveau d'expertise et c'est la région au complet qui s'y intéresse. Le Forum de développement nordique se terminera demain avec la participation du député de Lac-Saint-Jean, Alexandre Cloutier, et des conférences de Niobec et d'Hydro-Québec. Angie Larouche, pour ATM Nouvelles, Alma. Les ballets jazz de Montréal sont de passage en région pour trois spectacles consécutifs à partir de demain.
Bien, déjà, la compagnie laisse sa marque en offrant dès ce soir ses premières classes de maître aux écoles de danse régionales. Et Julien Renaud, l'engouement est à son comble pour les jeunes amoureux de la danse. Tout à fait, Francis. Les jeunes danseurs qui sont très excités et très enthousiastes à l'idée de pouvoir discuter avec des professionnels de la danse et également de pouvoir tester des mouvements des grands ballets jazz de Montréal. Puis, il faut le mentionner, c'est une rare visite d'une compagnie d'envergure internationale à Saguenay, autant pour présenter des spectacles de danse, mais également pour offrir des ateliers. Et puis, il y aura 7 classes des maîtres au courant des 4 prochains jours, dont les 2 premières qui ont lieu ce soir. Et pour Julie Morin, qui est la directrice de l'école de danse de Florence Faucaudour, c'est le moment magique pour les jeunes danseurs de bien comprendre le pourquoi de tant d'efforts. C'est que ça donne un sens à toute leur formation. Hein. C'est aussi d'essayer des mouvements qui sont faits par des chorégraphes de grande renommée. C'est une passion de la danse, alors ça, c'est un élément de plus là, de stimulation. Et Julien, le contact avec ces professionnels, à quel point ça peut être bénéfique pour ces jeunes danseurs? Eh bien, Francis, d'abord, c'est très motivant et très enrichissant pour les jeunes de côtoyer des professionnels, notamment par la classe des maîtres, mais également les jeunes vont pouvoir assister aux spectacles qui sont de haut calibre, autant à Alma, à Saguenay qu'à Dolbeau lors des 3 prochains jours. Et puis les 3 représentations seront suivies de périodes de questions, ce qui va permettre de plus amples échanges entre les professionnels et les jeunes danseurs. Et encore une fois, Julie Morin est très heureuse et dit que c'est une belle vitrine pour les futurs danseurs. Il y en a qui ont le désir de poursuivre au niveau professionnel. Alors, pour ceux-là particulièrement, c'est sûr qu'ils peuvent même créer des liens avec une compagnie de danse, se faire voir en bas âge. C'est très motivant, c'est très inspirant. Et quel est l'avantage pour une compagnie du genre de faire des classes d'une telle envergure? En fait, c'est surtout au niveau promotionnel, puisque les écoles de danse invitent beaucoup de gens au spectacle. Puis également, ça peut inciter les jeunes dans l'avenir à se diriger vers de telles entreprises, de telles compagnies. Mais avant tout, la directrice des communications des Ballets Jazz de Montréal, Mélissa Antimard, dit que c'est fait pour les jeunes. Donc, c'est pour nous une façon de redonner à la communauté, d'avoir un contact avec les jeunes. Et finalement, en terminant, Julien, à quoi les spectateurs peuvent-ils s'attendre lors de ces ballets? Un duo romantique suivi d'un numéro très dynamique de style urbain et ce sera clôturé par une chorégraphie théâtrale et humoristique. Merci beaucoup, Julien. Je vous en prie, Francis. Le gala définissant en intégration en multimédia du Cégep de Jonquière aura lieu ce soir à la salle polyvalente. Les étudiants présenteront leur projet final qui consiste en plusieurs sites Internet qui seront actifs. La 17e édition du festival Regards sur le court-métrage débute avec la soirée régionale qui a pour but de projeter des courts-métrages tournés par des cinéastes d'ici. En plus de présenter des réalisations régionales, la soirée sera aussi réservée au lancement du projet Vu par. Johanna Bouchard, en quoi consiste ce projet spécial dédié aux cinéastes saguenéens? Oui, en fait, Francis, c'est dans le cadre de la 175e anniversaire de la région que les réalisateurs du court-métrage Regards ont décidé de miser plus particulièrement sur les cinéastes de la région. Donc, c'est des cinéastes qui ont été jumelés 2 par 2 pour porter un regard personnel sur un réalisateur d'ici. Je vous invite à écouter le directeur général du Festival Regards, Yann Geller. D'autres de mieux placer que les cinéastes eux-mêmes pour se présenter. Alors, c'est là qu'on a créé un jumelage d'un cinéaste de la région qui réinterprète, revisite, revoit, refait, copie, peu importe, le travail d'un autre cinéaste de la région. Alors, ça fait des beaux jumelages. Et quel est l'objectif de ce projet? En fait, l'objectif premier est de montrer le talent d'ici, bien entendu, de mieux faire connaître au public ceux qui ont marqué le cinéma régional et qui participent encore au développement aujourd'hui. Et je vous invite encore une fois à écouter le directeur général. Le but, c'était de pouvoir faire connaître les cinéastes d'ici, de montrer aux gens qu'il y a vraiment un milieu exceptionnel, très, très foisonnant dans la région, puis que ce n'est pas toutes les régions qui ont cette chance-là. Les cinéastes de la région sont très heureux d'avoir été choisis pour ce projet spécial. On peut entendre l'un des participants qui va présenter un de ses films ce soir, Nicolas Lévesque. Je me sens assez bien. J'ai hâte de le revoir. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. C'est un film que j'ai quand même tourné il y a déjà presque 3 ans avec le cinéaste Claude Bérubé. J'aurais peut-être aimé ça le remonter, mais bon, on prend le risque. Comment s'est fait le choix des cinéastes? En fait, c'était très facile. Le Regards a décidé de prendre contact avec ceux qui avaient déjà présenté leurs films dans des éditions passées où les démarches étaient déjà entreprises. Donc, c'est eux qui ont été choisis pour ce projet. Et quelles sont les attentes particulières pour cette édition qui se terminera dimanche?
En fait, l'attente première pour cette 17e édition est d'avoir davantage d'étudiants et de jeunes, puisque les courts-métrages sont faits par et pour des jeunes et des gens de moins de 35 ans. Donc, l'objectif premier est d'avoir de plus en plus d'étudiants pour cette édition. Merci beaucoup, Johanna Bouchard. Je vous en prie. Le nouveau pape a été élu à la Chapelle Sixtine. Il s'agit de Jorge Mario Bergoglio, qui portera désormais le nom de François Ier. L'élection s'est faite en 5 scrutins sur une période de 2 jours. D'ailleurs, le fait que le nouveau pape ait choisi de s'appeler François Ier en référence à Saint François d'Assise laisse espérer pour la professeure à l'Institut de formation théologique et pastorale de l'Université Laval, André Larouche, un vent de changement et de rapprochement avec le peuple. Ma collègue Malika Beauchamp s'entretient avec elle. Donc, Madame Larouche, bonjour. Bonjour. Le pape vient d'être élu au nom de Jorge Mario Bergoglio de l'Argentine. Il s'appellera François Ier. Que savez-vous de lui? Très peu de choses. Qu'il est argentin, comme vous venez de le dire. Donc, c'est la première fois qu'on a un pape qui vient de l'Amérique du Sud, qui vient de l'extérieur de l'Europe, d'ailleurs. Peu de choses, sinon que juste le choix du nom François évoque d'abord François d'Assise. Okay. Et ce que j'ai pu entendre là, récemment sur les informations qu'on a données, il était peu connu, pas nécessairement celui qu'on pouvait mettre en tête de liste dans les probables à être élu. Mais déjà, le choix de se rapprocher de... Du peuple un petit peu. Là. Oui, de l'association avec François d'Assise, qui était très près des pauvres. Mm-hmm. Alors, ça peut être de bon augure, oui. Okay. Donc, on ne le connaît pas beaucoup, mais avec la venue du nouveau pape, on remet en question les valeurs de l'Église. Selon vous, c'est quoi le problème majeur auquel il va devoir remédier en premier? En premier, il y a sûrement plusieurs... pour moi, il y a une distance avec le monde, une rupture avec la culture du monde qui est difficile. La culture contemporaine. Oui, une même trop grande importance accordée justement au rôle du pape ou à la hiérarchie, alors qu'il appartient au Collège des évêques. Il est d'abord évêque de Rome, donc évêque avec les autres. Mm-hmm. Et s'il pouvait... se manifester davantage comme l'évêque avec les autres, mais chargé d'unité au sein de ce groupe, déjà, ça serait quelque chose de bien. Et non seulement l'image, mais peut-être des choix en fonction d'une Église qui est plus près des pauvres, plus près des plus petits, des laissés pour compte, des marginalisés. Ce serait déjà un grand pas par en avant. Et puis, bon, vous dites se rapprocher un peu du peuple. On sait que l'Évangile, ce qu'il dit, c'est d'accepter tout le monde tel qu'ils sont. Pourtant, l'Église semble réticente à aborder les sujets, comme on a vu dans l'actualité, l'homosexualité, l'avortement, la place de la femme. Donc, on admettra que c'est un petit peu contradictoire. Est-ce que vous pensez que c'est dû à ça, la baisse de crédibilité ou de popularité de l'Église de nos jours? Est-ce que vous croyez que ça provient d'un peu d'un message contradictoire de l'Église? Peut-être. Oui, effectivement que l'acceptation des personnes, on vous dira que c'est pas parce qu'ils n'acceptent pas les personnes comme ils sont, mais ça va être les gestes, on va démêler. Mais effectivement, on pourrait avoir une plus grande ouverture à toute personne, quelle qu'elle soit. Et, donc, il y aurait peut-être moyen de rejoindre un petit peu plus les jeunes. Oui, puis l'idée pour moi, c'est pas toujours tant rejoindre les gens pour pouvoir faire entrer des gens dans le groupe que être témoin de l'Évangile, justement, porter que le monde ressemble davantage au royaume de justice, un royaume de paix, de liberté, où tous et chacun ont droit à la plénitude du bonheur qui nous est promis. Puis, au Québec, on semble beaucoup critiquer tout ce qui tourne autour de la distance entre l'Église et la sexualité. Mm-hmm. Mais on est au Québec, un pays parmi tant d'autres, une province. Est-ce que vous croyez que c'est pareil partout dans le monde, cette espèce de critique-là par rapport au tabou de la sexualité? Oui, je pense qu'il y en a aussi. Il y a aussi des différences. Je regarde, par exemple, des discours qui ont été mal ajustés par rapport aux responsables de l'Église avec l'Afrique, avec la question du sida, le port du condom. Alors, c'est des choses qui ont été mal ajustées. Mais il faut toujours... L'Église, c'est pas le pape. Oui. Il est, évidemment, le chef de cette Église. Mais l'Église, c'est l'ensemble du peuple de Dieu. Et moi, je démêle toujours qu'est-ce qu'est l'Église. C'est, pour moi, c'est l'ensemble des croyants et des croyantes. Et au sein de ce groupe-là, il y a un groupe qui doit assurer la gouvernance. Donc, mais des fois, ces leaders-là, ils ont besoin davantage d'être à l'écoute
du peuple, à l'écoute des croyants et des croyantes. Donc, et c'est souvent dans la hiérarchie ou dans la gouvernance qu'on va sentir une... Parce qu'à la base, beaucoup de gens, au nom de leur foi, vont être très près des personnes marginalisées, vont avoir un discours beaucoup plus ouvert que ce qu'on peut entendre des hautes instances, de la hiérarchie ou du gouvernement de l'Église. Donc, c'est un peu, pas politique, mais quand c'est une minorité, par exemple, de personnes, peut-être que ça concerne, mais ça devrait être une question de travailler tous ensemble pour se... accepter oui, tout le monde. Oui, bien sûr, Et puis, le christianisme, c'est l'une des seules religions où les prêtres n'ont pas le droit de se marier. Puis c'est une loi qui a été écrite en 1139. Qu'est-ce qui justifie que cette loi-là existe toujours aujourd'hui? Parce que c'est 1139, c'est il y a longtemps quand oui, même. Oui, mais il y a longtemps, mais on peut se dire que ça n'a pas toujours été comme ça. Donc, si ça n'a pas toujours été comme ça, parce qu'un des arguments que souvent les autorités de l'Église vont utiliser, c'est le fait qu'on ne peut pas changer une tradition. C'est comme ça depuis toujours. On va le dire, par exemple, par rapport à l'ordination des femmes. Alors là, il y a eu un changement. Il y avait des raisons de le faire. On dit que c'est peut-être des raisons davantage financières qui ont imposé ce choix-là. Maintenant, donc, ça veut dire que c'est une question disciplinaire. C'est une discipline qui a été imposée. Une discipline peut être changée par rapport à une question doctrinale, par rapport à une question importante. Par exemple, la foi en Jésus-Christ qui est ressuscité, donc vivant, ça ne se négocie pas. Un christianisme qui est près des gens, ça ne se négocie pas. Ouais. Mais une chose comme celle-là, c'est une discipline qui est arrivée, donc qui pourrait éventuellement repartir. OK, oui, je comprends. Qui pourrait éventuellement repartir, ça signifie avoir une volonté pour le faire. Puis on parle de plus d'ouverture, on parle aussi de la place de la femme. Qu'est-ce que vous croyez rapidement que la femme pourrait apporter éventuellement si on était plus ouvert à la recevoir à l'Église? Qu'est-ce que les femmes pourraient apporter à l'Église d'être présentes? Oui, rapidement. Oh! Mon doux. On parle d'être plus près du peuple. Bien, ne serait-ce que... premièrement, c'est une question aussi d'égalité, de reconnaissance de la pleine égalité, de la pleine dignité des hommes et des femmes. Donc, avant même d'être... Parce que déjà, les femmes sont très présentes. Ce serait un gros pas. Elles sont présentes sans être dans les postes... Parce qu'on sait que ce sont de fidèles... Elles sont très, très présentes. Oui, ils font beaucoup de choses, beaucoup de croyantes, beaucoup de... Mais plus on monte dans les lieux décisionnels, moins elles sont présentes, bien sûr, parce qu'on arrive dans des postes qui sont réservés à des prêtres. Et comme elles ne peuvent être prêtres, elles n'ont pas accès à cela. Mais donc, ça apporte une nécessaire égalité. Ça, c'est bien sûr, je te dirais, la première chose, c'est... Mais peut-être qu'avec le nouveau M. François Ier, peut-être proximité du peuple voudra aussi dire égalité homme-femme. Nous verrons bien. Peut-être. C'est à souhaiter, du moins. Merci beaucoup d'avoir été là, Madame André Larouche de l'Institut de formation théologique et pastorale et professeure associée à l'Université Laval. Merci d'avoir été avec nous. Merci, ça me fait plaisir. Au sport, Étienne Dubois, quelles sont les actualités de la journée? Eh bien, Francis, alors que le temps s'adoucit et que la saison de ski tire à sa fin, les étudiants en plein air de l'Université du Québec à Chicoutimi ont organisé la 5e édition du Snow Jam qui se déroulait aujourd'hui. Charles-Philippe Leclerc, une rampe de ski a été aménagée à l'UQAC pour l'occasion? En effet, Étienne, les planchistes et les skieurs de l'UQAC sont venus profiter des derniers instants de la saison hivernale en s'exécutant sur différents modules installés dans la cour arrière de l'Université. Les amateurs de glisse qui fréquentent l'Université du Québec à Chicoutimi se sont réunis aujourd'hui afin de participer à la compétition amicale et surtout afin de passer une belle journée à l'extérieur. Le Snow Jam, c'est d'abord une compétition, mais aussi un grand nombre d'autres activités étaient au rendez-vous pour l'événement. Hier soir, on a eu un band de musique qui est venu. On va avoir des activités, un Twister géant, on a une parade de mode, on a une projection de film dans l'après-midi. C'est vraiment un événement qui se veut là, faire sortir un peu le monde de l'université, prendre du bon temps à l'extérieur. La température n'a toutefois pas aidé l'organisation. La chaleur des derniers jours a forcé l'équipe à réduire le nombre de modules alors qu'un saut devait être aménagé en plus des trois rampes et du quart de lune. Bien sûr, on a dû écouter l'événement sur une journée, ça va avoir une incidence. C'est sûr, là, les modules sont réduits. Au début, on devait avoir deux modules de chaque côté. Mais on pense que le monde a quand même notre rendez-vous. On a déjà eu des préinscriptions, on en a peut-être une dizaine. Il y a aussi beaucoup de bouche à oreille. Sur place, il y avait de la musique, de l'animation, des joueurs de tam-tam et surtout un bon spectacle sur les modules aménagés. Pour ceux qui avaient un petit creux, des crêpes, des hot-dogs et des boissons étaient en vente.
Bref, la journée sous le soleil du Snow Jam 2013 a été bien appréciée de tous. Charles-Philippe Leclerc pour ATM Nouvelles. Les Genois d'Alma amorceront leur série quart de finale des éliminatoires de la Ligue de hockey collégial 3A ce samedi au complexe sportif de l'ancienne Lorette. La troupe de l'entraîneur Pascal Hudon se frottera aux Lions du collège Champlain de Saint-Laurence dans une série 2-3. Les Lions ont eu le dessus 7-4 sur les Genois lors du dernier match de la saison dimanche dernier. De retour de leur plus long voyage de la saison, le Canadien de Montréal accueillera les Sénateurs d'Ottawa au Centre Bell ce soir dès 19h. Le Canadien traverse présentement sa meilleure séquence de la saison alors qu'il a amassé au moins un point dans 14 de ses 15 dernières parties. La formation de Michel Therrien est toujours privée des services de Brendan Prost et Raphaël Diaz. Quant à lui, l'ailier René Bourque se rapproche d'un retour au jeu alors qu'il a patiné en solitaire lundi. Voilà ce qui complète le volet sportif pour aujourd'hui. Francis. Merci beaucoup, Étienne. Ça me fait plaisir. Maintenant, la météo. Catherine de la Liberté, les températures chuteront dans les prochaines heures. Oui, Francis, les températures descendront sous le point de congélation et se rapprocheront des normales saisonnières. Ce soir, au Saguenay, on s'attend à un 2 degrés Celsius, tandis que cette nuit, les températures vont chuter jusqu'à moins 6 avec un ciel enneigé. Demain, ce sera plutôt un ciel variable avec une température de moins 4 degrés Celsius. Le scénario sera similaire au lac Saint-Jean. À plus long terme, on s'attend encore à un refroidissement jusqu'en début de semaine prochaine. Et voilà, Francis, c'est ce qui complète la météo. Voilà, c'est ce qui met fin à ce dernier webjournal de cette semaine. Soyez des nôtres lundi prochain. Bonne soirée. Au revoir.